Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e continent. Alors, la dernière fois nous en étions dans l'offrande aux gardiens, j'étais mort, hein, voilà, j'avais perdu. Donc je vous ai demandé si vous préfériez que je continue une sorte de mode immortel, ou si je recommençais, et si je recommençais, si je refaisais la même malédiction, ou si on passait à autre chose. Donc, vous avez été plusieurs à voter, vous m'avez contacté même par la messagerie du blog. Donc vous préférez que je recommence, mais que je change de malédiction. Donc on va vivre une nouvelle aventure tous ensemble. Donc cette aventure, puisqu'elle m'a été demandée, c'est le labyrinthe de glace, qui est une malédiction donc, qui est issue de l'une des extensions de la première campagne Kickstarter. Et nous allons vivre cette aventure avec l'exploratrice Mary Kingsley. Alors Mary Kingsley, son pouvoir particulier, à l'étape objet d'une action à laquelle on participe, on peut défausser une carte ayant le mot-clé adresse depuis notre main ou notre inventaire pour appliquer l'effet suivant, les 7 comptent comme un succès. Donc, ok. Nous avons un nouveau deck d'action donc dans lequel j'ai mélangé les 5 compétences avancées de Mary Kingsley, ainsi que les cartes de malédiction, de la mort vous guette, et dans laquelle maintenant je vais rajouter celle de la carte thème de la malédiction du labyrinthe de glace. Pardon. Voilà. Hop, notre deck est là. Alors, dans la besace écarnée, nous allons démarrer. On va pas chipoter cette fois. On va démarrer avec la relique majeure, qui est la carte 777, en fait, qui nous permet d'avoir un continu dans la partie. Donc, si jamais on a une première défaite, on pourra continuer directement. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais bon. Jusqu'à présent, voilà. Et nous avons la carte indice. Alors, le labyrinthe de glace. Ah, mais ça, non, pardon, ça commence de ce côté-là. Le labyrinthe de glace. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de plan. D'habitude, il y a un plan, mais là, il n'y en a pas. Convaincu que votre salut se trouve là où tout a commencé, vous quittez votre domicile en direction du port où vous avez prévu d'embarquer sur un navire de marchandises faisant cap vers l'Australie. Le capitaine, un homme louche au regard torve, consent à vous accueillir à bord, moyennant une grosse rétribution. Au cours du voyage, vous relisez les notes que vos confrères et vous-même avez consignées dans le carnet d'expédition. Un passage en particulier attire votre attention. L'indigène semble désormais dans de meilleures dispositions à mon égard. Après quelques heures en sa compagnie, je pense avoir saisi quelques mots de son dialecte et suis parvenu à la conclusion qu'il me parle avec insistance d'un ami doté de pouvoirs puissants qui vit quelque part, loin au nord. Je prends congé lorsque les autres m'annoncent que le brouillard s'est enfin dissipé et que nous allons pouvoir traverser le marais. Après plusieurs semaines en mer, vous demandez au capitaine de mettre un canot rempli de vivres à l'eau. Vous regardez le cargo disparaître à l'horizon avant de vous endormir comme une souche, bercée par les vertiges et le remous. À votre réveil, votre embarcation est échouée sur le sable. Sa coque est percée et vos vivres détrempés. Il semblerait que vous ayez atteint votre but. Alors, on a un petit freeze, plus 10, donc ça va être quand on aura les éléments pour la malédiction. Et nous démarrons sur la carte 38. Une plage sablonneuse longe la côte. Plus au nord, la végétation se densifie, laissant augurer la présence de bois. Alors, c'est un terrain qui nous est familier, je dirais, puisque nous l'avons traversé lors de la précédente partie, puisqu'on avait fouillé dans la valise, on y avait trouvé un flingue. C'est une carte, on n'a qu'une issue, c'est remonter de toute façon, et on est en mode, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, on a que la possibilité de remonter, et on a deux trucs sur la valise, et explorer ici. En haut, il y a des traces de gibier, pas de numéro particulier, on a une tortue qui se balade, mais bon, on ne peut rien en faire. Donc, nous allons commencer notre aventure ici, hop, avec la carte 2.
pour le brouillard. Alors, je vais essayer dans cette aventure de pas trop meuler mon deck comme j'ai un peu tendance à faire. Et à bien me concentrer sur la chasse et la pêche, qui sont quand même les actions parmi, si ce ne sont les plus importantes du jeu. Donc, hop, on va commencer avec ça. Donc on va fouiller dans un premier temps, on va fouiller, on va observer un peu cette valisette. Alors, heureusement il n'y avait pas de succès requis, donc c'est la torche comme objet, donc on va le prendre puisque de toute façon on démarre l'aventure, on n'a pas de carte en main. Donc c'est un succès et on prend la carte 53. Alors. Vous dénichez un petit coffret de bois à moitié enseveli dans le sable. Il semble avoir bien résisté aux vagues. Un participant à l'action suivante peut défausser une carte ayant le mot-clé adresse de sa main ou son inventaire pour obtenir étoile à l'étape de résultat. Alors là, c'est deux cartes ou plus, et on pioche la carte 55. Je vais piocher trois cartes. 2, 3. Il nous faut deux succès, nous les avons. Et nous avons la sacoche, le combustible et le bâton de marche. On va prendre le bâton de marche pour la main. Et quoique je suis sur un terrain où il y a des feuilles, je pourrais prendre la sacoche parce qu'elle peut contenir jusque trois objets supplémentaires. Ça vous permettrait de pas mal stocker. C'est vrai que la sacoche, je ne l'ai jamais faite. D'un autre côté, le bâton de marche. Bâton de marche, c'est bien. Mais pour l'instant, on se déplace à 1 et le bâton de marche pourrait toujours aller le chercher avec les cartes, la carte se souvenir. Donc je vais prendre la sacoche. Donc on bannit cette carte et on la remplace par une carte 55. Bannit. 55. Un cliquetis vous informe que vous êtes parvenu à ouvrir le coffret. Vous l'ouvrez sans plus attendre. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 350. Quand il y a des cartes avec beaucoup de numéros, généralement quand je les range, je les mets à la fin, comme ça, les premières que je pioche sont nouvelles, ça fait une surprise. Bon, on trouve une loupe. Bon, non, c'est pas trop mal parce que ça aide pour enfin, observation, déchiffrage, bon, c'est pas ce qui revient le plus, mais pour faire du feu, oui, ça fait moins 2 et ou un succès. Donc, on a notre premier objet à 5, hop, qui est la loupe. Voilà, et je vais pour une carte, hop, et je vais avoir réfléchir, super. Enfin, super, c'est pas ironique. Hein. Je vais pour une carte, je construis la sacoche. Comme ça, on pourra stocker du matos. Alors, réfléchir, c'est prenez jusque 7 cartes dans le deck d'action et je peux ajouter une carte à ma main. Ben, je vais le faire. Alors, tiens, ça c'est un nouvel objet, c'est une compétence propre à l'exploratrice, c'est la pagaie pour les tests de navigation. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Déjà, souvent, c'est peut-être beaucoup. Alors, je vais essayer de voir si j'ai un truc. Ça pourrait être pas mal, les peintures de guerre. Pour les combats ou la chasse. Je vais essayer de prendre soit une carte ou qui a une feuille, en fait. Soit le une carte, voilà, se souvenir pour récupérer ensuite le bâton de marche. Tenue de camouflage. Souvenir, voyons. Alors ça c'est bien, tant qu'on l'a en main, c'est pour la pêche, les offrandes ou la navigation. Bon, j'en ai peut-être pas besoin tout de suite, mais c'est une carte qu'il faudra prendre en main. Hop, sarbacane. Alors, étudier les notes, c'est
Je peux avoir le truc gratuitement, prendre deux cartes 50. Je sais pas ce que c'est les cartes 50. Ouais, on va les mettre de côté. Je regarde un peu ce qu'il y a avec la feuille. Non. Ah mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi. C'est 7 cartes au hasard en fait, non? Ah, et moi je suis en train de tranquillement de faire ma pioche. Non, je croyais que j'étais parti sur ce souvenir en fait, indirectement, d'aller chercher une carte. Donc j'ai fait n'importe quoi. Pardon, j'ai fait perdre du temps. Vous étiez en train de dire, mais non, c'est pas ça. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a pagayé, le savoir est un pouvoir, c'est en forgeant, l'appel, un homme averti en vaut deux, l'attelle. Bon, ça, c'est des trucs. Ça, c'est intéressant. La pagaie, pas pour l'instant. Chasser, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Forgeant, bon. Hop. On va prendre un homme averti en vaut deux. Ça nous donne un bonus d'une étoile, en fait. Hop. Pour un test. Alors, bon, pour l'instant, on a juste fait ça, et on a quand même déjà trois cartes dans la défausse, hein, pour rappeler que ça part vite. On va faire l'exploration ici et aller chercher la carte 36. Alors, 36. Au bout de la plage, des rochers saillants risquent de bloquer votre progression. Vous méditez sur l'éventualité de poursuivre l'exploration du littoral par la mer. Compte tenu de la température de l'eau et du courant puissant, explorer le littoral sur une embarcation serait peut-être préférable à s'y aventurer à la nage. Donc là, c'est un test que tout le monde devrait être fait, que tout le monde devrait faire en même temps. Mais bon, je suis tout seul. Ça permet d'aller piocher une carte 84 à laquelle on rajoute en fait le carré si on a un élément particulier. Sinon, on revient et en plus on se chope l'état fatigué. Bon, j'ai pas de truc en surplus pour la navigation. Mais pour l'instant, c'est pas. Enfin, manifestement, c'est de là où on vient. Donc, c'est peut-être pas là où on doit aller non plus. Je sais pas. Bon, on va aller explorer ici. Mur de ronces. Les trois sentiers que vous avez suivis est obstrué par un gros talus épineux. Vous devriez pouvoir vous frayer un passage facilement en allumant un feu. Si vous disposez de la ressource feu, vous pouvez défausser cette carte. Sinon, test de force 4+ pour se frayer un chemin. Ah ouais, ça fait quand même défausser 4 cartes, quoi. On va en piocher que 3. Quoique, non, ce que je garde, ma carte, un homme averti en haut de. Bon, tant pis, on va faire un test de force. Bon, la mort vous guette déjà, ça dégage. Et on chope la corde de l'être tressée, l'attelle ou la pelle. Alors, ça nous permet de faire du feu. Ça, c'est surtout pour les tests de soins. Et la pelle, c'est pas mal, la pelle, mais. Bon, on va prendre la ressource qui nous permet de faire du feu, parce que. Parce que bon. À un moment, on va devoir en faire, et dans pas trop longtemps, ça continue. Donc, on va prendre ça. Donc, on enlève la carte, et on va mettre la carte d'exploration 54. Le vent siffle dans les branches des grands pins, charriant un mélange d'embrun et de relents putrides. Alors. On a des traces de gibier sur la droite. Et je crois que c'est tout. En revanche, on a trois nouvelles sorties. Donc, trois nouvelles sorties. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on va se déplacer. C'est en forgeant. Allez, c'est en forgeant est une carte qui nous permet de piocher trois cartes de moins. C'est une carte qui m'aurait été très utile là pour l'errance. Mais bon, ça n'a pas été le cas.
Alors, on va reprendre la carte indice. Parce que il y a quand même un passage important, c'est l'histoire de l'indigène qui vit quelque part, donc, enfin, qui a un ami qui vit loin au nord, donc manifestement, on va devoir tracer tout en haut. Et il y a cette histoire comme quoi le brouillard s'est dissipé, nous allons pouvoir traverser le marais. Donc il y a un marais là à ce niveau-là, donc peut-être que c'est à mi-chemin, donc on va remonter vraiment, on va essayer d'aller jusqu'au maximum, au nord, au maximum du continent. Je pense que c'est par là qu'il faut aller, donc c'est pas la peine de s'embêter à aller chercher à explorer là. Donc, bon, les traces de gibier sont sur la droite. Le problème, c'est que j'ai rien pour l'instant pour chasser. On va explorer déjà. Piste Euse, est-sud-est. Le sentier qui vous fait face vous paraît vaguement familier. Ne seriez-vous pas en train de tourner en rond? Prenez une carte 145. Alors, 143, 44, 45. Sur la bonne piste. Comptez le nombre de différences entre cette carte et la carte vous ayant autorisé à la piocher. Prenez une carte 170 pour découvrir si vous avez trouvé la bonne réponse ou non. Alors, déjà, je viens d'en voir une que j'avais pas vue la dernière fois. Parce que je connais la réponse, parce que ça fait 3 fois, je crois, que je tombe dessus. Je sais qu'il y a 11 différences à trouver. Eh, quoique, non, en fait, je suis en train de dire ça, mais c'est peut-être pas la EZE, quoi. Parce que c'est pas les mêmes différences que la dernière fois. C'était peut-être la ouest-sud-ouest. Parce que là, c'est pas la même chose. Peut-être que celle-là, c'est celle où il n'y en a que 9, mais je sais qu'il y a 4 cartes comme ça. Bon, de toute façon, on va faire le jeu, on va pas tricher. Donc, il y en a une, c'est le crâne, qui est là et qui n'y est pas là. Deux, l'une des croix sur l'araignée. Trois, la fleur. Poings du serpent, ça a l'air bon. Quatre, la fissure ici. 5, le petit rocher ici. L'instant, je suis à 5. 5, ça me semble pas assez. Donc on va continuer. Alors je le mets là, j'ai la caméra entre les cartes et moi. C'est pas tellement évident. Alors, le crâne. 1, 2, la croix sur l'araignée. La fleur. 4, la fissure. 5, le petit rocher près de la racine. Je sais pas si je l'avais dit. J'en vois pas d'autres, je suis à 5. Je suis à 5. Bon, on va prendre une carte 170. Voilà la bonne réponse. Piste ESE, 5 différences. Bon, ben c'est ça. On était bon. Si vous avez trouvé la bonne réponse, prenez deux cartes de points d'expérience, les cartes 003, et sinon on doit défausser 3 cartes. Bon, ben on a. C'est bon. C'est bien. Ça nous fait deux cartes d'XP déjà. Hop. Une, deux. Donc on va ranger sous la besace. Et tout ça, on le range. Alors, carte 132. Le terrain est dégagé. Quelques traces au sol suggèrent que des animaux sauvages sont récemment passés par ici. Alors, on a rien, ce buisson, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a d'autres traces d'animaux. Et là, il y a des forêts dans lesquelles on doit pouvoir se planquer pour aller chasser.
plastique là qui traîne. Ah. Bon, ben on va pas chasser immédiatement, on va pas non plus se déplacer immédiatement, et on va juste réfléchir à ce qu'on va faire pour la prochaine session vidéo.